bongodialogue.com. All right, thank you so much, President Kilele, for your time. I think all over the world, you have the question come from a countryman from Malawi. He wanted to know what's going on in Congo. I think you, Mr. Kilele, you answered according to the question asked you earlier. They show that the true, the genuine enemy of Congolese is himself a Congolese. So the answer you can have, Mr., it's a Congolese himself. So it's not about the president who is in the government now, but it's about Congolese himself. When he's corrupt, so he's just giving up, he's just giving away, you know. So we'd like to do this English version so that our people from South Africa and USA, everywhere English speaking people can listen to the show, you can understand what's happening and what we are busy talking about in this current show. So let me go back so that we can hand our show in French. I think in the future coming shows, we're going to try to mix up so that we can have English version show and the French or Lingala version show here, right here in congodialogue.com. Mama Francine Ngembe, this is it. So if you got any question in English, don't hesitate. WhatsApp us, phone us, or call us. We are going to get your point. Then we're going to discuss about it. Monsieur Kilele, nous sommes presque à la fin. Je crois que vous avez énuméré un point très touchant. Personnellement, je suis très touché. Et ça nous a plus amené à la réflexion que le vrai ennemi du Congolais, c'est nous-mêmes, les Congolais. Tu vois, on met trop de bruit. Moi, j'appelle ça des scénarios. Tout ce qui se passe souvent dans notre pays sont des scénarios. Il y a Trio, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, syndicats, tout ça. Un cornet a déclaré qu'il n'y aura pas des élections, tout ça. Donc, moi, je pense que ce sont des scénarios. Donc, c'est ça le terme qu'il faut utiliser. Ce sont des scénarios, mais c'est la comédie. Le vrai problème de notre pays, c'est nous. Nous n'avons pas changé. Nous sommes allés à l'école. Nous sommes dans des églises. Nous sommes dans des mosquées. Toutes ces institutions, toutes ces formations que nous avons réussies ne nous ont pas aidés. Ce dernier temps, j'ai visionné un petit Congolais qui s'appelle Christian Malenga, si c'est Malenga ou Malanga, qui est allé s'agenouiller devant le mur de lamentation en Israël. Et paraît-il aussi, Félix Tshisekedi, le fils du défunt Tshisekedi, serait parti aussi là-bas. Je ne sais pas. Bon, il y a des églises au Congo qui organisent de pèlerinages aussi, pour aller en Israël, voir, je ne sais pas où Jésus-Christ était mort, où il était né. Et puis, on l'a fait habiller des habits, des Illuminati, à chose, je ne sais pas, au Vatican. Mais ce petit, c'est un malheureux. Cet homme malheureux. À le voir comme ça, c'est un comédien. Il se promène à travers le monde avec une équipe de gens qu'il appelle son futur cabinet ministériel. Il va en Israël devant le mur de lamentation pour faire quoi? Qui ignore que c'est la religion qui a rendu le monde ce qu'il est aujourd'hui par l'esclavage? Je demande au futur gouvernement congolais d'insérer dans les manuels scolaires des documents coloniaux tels que le discours du roi Léopold II aux missionnaires qui devaient venir au Congo, d'insérer dans les manuels congolais un document qui s'appelle, qui sont-ils, le code noir du roi Louis XVI de France, d'insérer dans les manuels scolaires un document qui s'appelle, je pense, le pacte colonial. Nous allons défiler dans cette interview les titres de ce document. Et il y en a bien d'autres qui ont des connivences avec l'Église, avec les religions du monde. Israël n'est pas le Congo.
le sort d'Israël n'a pas de ressemblance avec le sort d'Israël. Jésus n'est pas congolais. Jésus n'est pas noir. Jésus n'est pas mort pour le sort des Congolais ni des Noirs. Il n'y a personne qui l'avait demandé d'aller mourir. Il n'a jamais vu une lettre des Congolais pour aller mourir. Donc, vous allez vous agenouiller devant le mur de lamentation. Faire quoi? Vous connaissez l'histoire des murs de lamentation? On l'appelle le mur de lamentation ou le mur occidental. En hébreu, je pense que ça s'appelle Hakakel ou Akael. C'est comme ça qu'on appelle ce mur. C'est un mur historique à l'époque de la guerre judéo-romaine. Ça ne représente rien pour nous les Noirs. C'est un souvenir du temple, paraîtrait-il, des Juifs qui avait été détruit et reconstruit. Ça n'a rien à voir, ça ne donne aucun pouvoir magique, ça ne libère ni le Congo, ni aucun pays. J'ai vu la fois passée Obama aller là-bas. C'est une histoire de chantage que les Juifs font afin qu'on puisse s'apitoyer à leur sort en Allemagne, à l'époque de Hitler. Mais il n'y a pas que les Juifs qui étaient morts à l'époque de Hitler. Il y avait des peuples de partout, il y avait même les Noirs qui étaient en Allemagne, qui étaient tués. Pourquoi il n'y a que eux qui tuent les ficelles vers eux-mêmes? Alors vous voyez ce petit qui s'appelle, si c'est Christian Malanga, qui va là-bas pour chercher le pouvoir en Israël. On le voit au Vatican. Est-ce qu'il ignore que le Vatican, c'est le premier service d'intelligence du monde? C'est le Vatican qui a formé la CIA de l'Amérique. C'est le Vatican. Le fait que vous avez les églises à travers tous les villages du Congo et à travers tous les villages du monde, ça vous dit que vous avez les services d'intelligence partout, même dans les recoins. Le service qu'ils font, c'est informer le Vatican. C'est ça le service que les prêtres font. C'est le premier service d'intelligence du monde, l'Église catholique. Et vous allez chercher le pouvoir en Israël et au Vatican pour faire quoi? Bon, le Vatican, c'est un petit État, je ne sais pas, 130 kilomètres ou je ne sais pas combien de kilomètres. Mais le Vatican est situé en Europe. Le Vatican est membre de l'Union européenne. Vous ne savez pas ça? L'Union européenne est parmi les oppresseurs du Congo et de l'Afrique. Ils ne travaillent que pour leurs intérêts. Et vous croyez que le Vatican va contredire l'Union européenne? Vous allez vous faire habiller des habits des Illuminati au Vatican pour montrer que vous avez rencontré le pape. Vous connaissez le pape. Vous allez dans un pays, le Vatican, où il n'y a que des pédophiles. Ils ne font que coucher les enfants et avorter partout à travers le monde. C'est tout ce que le Vatican fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont l'exemple de quoi? Le Vatican. Vous ignorez que le Vatican, c'est le Vatican qui avait financé la fuite des nazis après Hitler pour le transférer en Afrique du Sud, en Argentine et en Chili. Ce sont eux qui avaient organisé la fuite des nazis. Vous ignorez ça? Vous qui voulez être président du Congo et organiser des banquets partout, vous n'avez pas le sens, la mémoire historique. Vous ignorez que c'est l'Église catholique qui a financé le torpillage de Titanic, où l'on vous raconte que non, Titanic et Utaka, na Portsmouth et Uti en Angleterre, et Zokende en Amérique, et puis et Tutani na iceberg. C'est faux! C'est pas ça la version de l'histoire. Dans le Titanic, il y avait un juif de la famille Castor qui était l'homme le plus riche de l'époque. Et parce que les gens voulaient avoir son argent, ils ont construit tout un bateau pour tuer une personne et faire couler le reste. Et le capitaine
qui conduisait le bateau était un jésuite qui avait reçu des instructions précises que l'air que le nabasua tout est en gona libanga. Et pendant ce temps, l'air maison quand on compte quand on compte après on conçoit moi si naie tout bonier tout zimbon naie. Et c'est cet argent qu'on a pris pour créer la Banque mondiale. Ouvrez les yeux et les oreilles. Où est sorti l'argent de la Banque mondiale? Candidat, vous n'avez pas candidat. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous allez au Vatican, vous allez en Israël. Bon, les Israéliens, ce ne sont pas les véritables Israéliens, parce que la terre d'Israël n'est pas leur terre. Combien de fois je dois vous dire ceci? Ce que vous appelez les Juifs aujourd'hui ne sont pas des Juifs. Ce sont des Khazars. Ce sont des gens qui viennent du sud de la Russie, dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Géorgie, qu'on a créé il y a de cela 7 à 8 ans. C'est un pays qui n'existait pas. La Géorgie. C'était des vendeurs qui ont quitté le sud de la Russie pour commencer à vendre bilo qu'on avait partout à travers l'Europe. Et petit à petit, ils étaient devenus des prêteurs d'argent, les prêteurs de monnaie. Ainsi, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la banque Lambert. Ainsi, vous avez le crédit bancaire et Outa Kepana Bango. Israël, c'est une terre. Au début, ce côté de l'histoire, Isaac est un noir. Le véritable juif, ce ne sont pas ces juifs que vous. C'est nous les noirs. Israël a été acheté avec l'argent de la famille Rothschild, qui sont aussi des juifs. Avec la complicité de M. Balfour, qui était au Parlement anglais, adressa une lettre à la reine d'Angleterre. Afin qu'on puisse chercher une terre pour les Israéliens qui étaient partout à travers le monde. Neba Sombi Terwana. À ce moment, c'était un protectorat de l'Angleterre. L'air Angleterre a une pesa indépendance dans les Palestiniens. Neba Yokani, ba pesi ba arme dans les Juifs, ba yeko boma ba arabe. Voici l'origine de la guerre israélo-arabe. Et aujourd'hui, Bozo Bima. Oh, terre, ma la Bible. Bullshit. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Ezali ma belle la bango te. Ezali a bato. Ezali a palestinien, peu a palestinien, baka après. Bokene na kana, kana, zaki mutumindo. Ouvrez les yeux et les oreilles. Raison pour laquelle bazo kozoabiso ma belle. Lelo oyo. Ba palestinien, ba komi ko senga, ba passeport. Pour base là-bas, citoyen israélien, alors que ma belle est à Bango. C'est ce que les Tutsis veulent faire chez nous au Congo. Balengi Baswa, ma belle, avec la complicité de certains Congolais, tôt ou tard, les Congolais que nous sommes à l'extérieur, même qui sont à l'intérieur, vont commencer à demander des visas pour devenir des citoyens congolais, parce que ma belle est déjà. Et si Zouami n'a pas Rwanda. Ils ont déjà commencé à créer des légendes que les Tutsis, ce sont des descendants de Salomon, ils sont des juifs comme les Falachas d'Éthiopie. Ils ont commencé à créer, et cette histoire passe bien. Hein? Ils sont grands de taille, et Bazana, Bazolo, Yakotel, Maneti, Bajuif, tout ça, ce sont des futilités. Le Congo, c'est l'avenir du monde. Si nous ne défendons pas le Congo, nous allons disparaître. D'abord, c'est le général israélien Moshe Dayan, qui disait, un peuple qui ne se bat pas, c'est un peuple qui disparaît. Je répète ce que Moshe Dayan avait dit. Un peuple qui ne se bat pas, c'est un peuple qui disparaît. Ne pensez pas que l'Europe viendra se battre pour nous. Ne pensez pas ça. Et je lance un appel au chef de guerre de chez nous, s'il y en a, tel que William Yakutumba. Ne cherchez pas à demander des armes ou des aides à travers le monde. Là où tu es au Kivu, il y a des mines d'or. Il y a des multinationales qui occupent les mines d'or, telles que la société canadienne Banro. Mais attaque cette société, attaque ces mines d'or et prends l'or. Nous allons vendre l'or pour acheter des armes. C'est tout ce qu'il faut faire.
Ne cherchez pas à demander la cotisation des Congolais. Batozo ça qui centenaire là ouais. Baza bansanya. Bakozo mbon wapi. Batin de l'homme. Basa les ça. Bapé ça effort de guerre. Ekoyate. Donc nous devons tout faire pour combattre. C'est la guerre que nous devons déclencher. Pas autre chose. Pas le dialogue. Pas le troisième dialogue. Pas les élections. Nous n'avons pas besoin des élections. Et là, je vais vers la Senko. Senko d'abord, Azali, hijacker, comme on dit en anglais. C'est un détourneur d'une certaine procédure. Il n'y a personne qui avait nommé les évêques pour qu'ils jouent la médiation entre le peuple meurtri congolais et le gouvernement d'occupation. Parce que la CENCO elle-même fait partie du gouvernement d'occupation. Il représente le Vatican au pays. La CENCO, Bango Bayebi Pasite, Ba prêtre Bayebi Pasite, Ba tout. Ba prêtre Bazakana Ba couvent à Bango, où il ne paye pas de taxes. Ba prêtre Bazalaka. Là-bas, couvent des serres où ils font le sexe gratuitement. Bah, foutre un bon côté. Et c'est bon, baby, comment vous foutez un bon, pas un dumba que Rio Konala, Nandumba, foutre l'art. Bango, bah, c'est un abassi gratuit. Bah, prêtre, bah, zemi sakabassi. Bah, tini, bah, on a vacances. Personne ne va les amener à la cour qu'ils ont violé des femmes. Et tout ça, c'est au nom de Jésus-Christ et au nom de leur Dieu d'Israël. Vous voyez ça? Ba prêtre, ba zaka na ba ration, mafuta, mungwa, biloko ya kolia, ba zaka na ba vacances, ba zaka na bilamba gratuitement, na mbongo oyo bazoko ko Congolais partout à travers le monde. Est-ce que bango ba yebi passe ya batu? Est-ce que ba prêtre ba yebi koma batu ba futa la kandako, ke ofuta loyer boy, ba yebi ko futa loyer? Bango ba yebi ko ko futa classe ya mwana? Que bien sûr, ma parent, toujours foutre ma frère scolaire à Bana. Est-ce que ma prêtre va bien? Comment alors des gens qui ne souffrent pas peuvent devenir des médiateurs dans une crise d'occupation? Comment est-ce qu'on peut continuer à croire à une telle supercherie? Des gens qui n'ont jamais souffert dans leur vie. Maï va foutre la caté. Ils dorment bien. Aucun n'a pas village, ma prêtre va toujours dans Bandako, Yakitoko. Ils sont toujours là. Bazana bandako kitoko, bazana ba voiture, bazana ba VW, bazalina ba Land Rover, partout même dans les villages. Comment ces gens peuvent se prendre pour des médiateurs, pour présider à nos destins, nous la population qui souffrons, et que la population doit croire à ces gens parce que bazana ba kuruze awana na tolo et ils couvrent leur corps avec des robes de pédophilie pour s'enfermer quelque part. Ce sont ces mêmes gens qui ont toujours l'habitude d'éteindre le feu, ce sont des sapeurs-pompiers. Chaque fois que les Congolais veulent se soulever, la CENCO, les prêtres viennent avec un bon langage. Rappelez-vous à l'époque de la conférence nationale avec Monsengo. Mes très chers enfants, au nom de Dieu, mais il ne faut pas insulter vos chats. D'abord, nous devons rendre grâce, grâce à Dieu. Cette conférence va bien. Ce sont toujours eux qui viennent verser de l'eau quand les feux brûlent. Ce sont toujours eux. Tu vois ça? Ce sont toujours eux qui sont des complices quand la population veut se réveiller. Alors, je demande aux compatriotes congolais de cesser de croire à ces gens. Ce sont des espions des Occidentaux. Voilà. Voilà, merci. Nous sommes à la fin de notre épisode aujourd'hui. Un grand merci à la grande dame Francine Ngembe. Grand merci aussi à vous, monsieur le président national congolais. Merci. Alors, il y a trop de temps à parler. On va se retrouver à la fois prochaine. Restez branchés sur congodialogue.com. Merci. Quant à moi, je suis Bola Odi. On va se retrouver à la fois prochaine. Bye. Congodialogue.com.